Si vous avez entendu parler de Bruce Lee, vous avez forcément aussi entendu parler de Bruce Lai, l'homme choisi par de nombreux producteurs pour perpétuer l'œuvre de Bruce Lee après sa mort. En 1970, j'ai commencé l'éducation physique à l'université. J'ai fait de la gymnastique, j'ai appris le judo, le taekwondo, la boxe, le kung-fu chinois, le wing chun, le karaté. J'ai appris à jouer la comédie. Au début, je n'étais qu'un cascadeur et un petit acteur. Le producteur Jimmy Shaw m'a donné un nom anglais, Bruce Lai. Mais ça ne me plaisait pas. Parce que je ne pouvais pas jouer son rôle. Je ne peux pas être lui.